Goedenavond iedereen, bonsoir. Welkom op de informatiesessie over het diplomatiek examen, over de buitenlandse carrière. We gaan zo meteen van start met de presentatie, maar eerst zal ik kort een aantal technische aspecten overlopen. Dus de camera van iedereen kan ingeschakeld worden, maar is zeker niet verplicht. De microfoons zijn op dit moment wel uitgeschakeld. Dus daarom, als jullie op dit moment al een vraag willen stellen of als jullie willen dat jullie vraag behandeld wordt tijdens het Q&A-gedeelte, dan kunnen jullie rechts onderaan klikken op Q&A en daar jullie vraag op dit moment al stellen. We zullen een aantal van die vragen sowieso aan bod laten komen tijdens de informatiesessie. Worden ze niet behandeld tijdens de informatiesessie, dan gaan we jullie op het einde van deze sessie het woord geven. De presentatie gaat door in het Nederlands en het Frans, dus elke spreker zal in zijn of haar taal spreken. Ook jullie kunnen jullie vraag in jullie moedertaal stellen. De agenda voor vanavond ziet er als volgt uit. Dus eerst zullen onze twee ministers, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmis en minister van Ontwikkelingssamenwerking Mirjam Kitir een welkomstwoord geven. En daarna gaan we van start met de presentatie door Celor over de selectieprocedure en het examen. En dan zal de stagemeester van de buitenlandse carrière wat meer informatie geven over de stage. En dan ook over de diplomatieke carrière en de familie aangelegenheden die daarbij komen. En tenslotte laten we het woord ook aan vier van onze diplomaten. Twee diplomaten die op dit moment op post zijn in Dublin. Eén diplomaat die op onze permanente vertegenwoordiging bij de EU werkt en één stagiair diplomaat. Ik geef nu het woord aan Lot de Bruyne, die de twee ministers zal introduceren. Hartelijk dank, goedemiddag. Hartelijk welkom in deze infosessie voor het examen van de buitenlandse carrière, of ook wel kortweg diplomatieke carrière genoemd. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je vois qu'on est quand même nombreux. La présentation et la session sont aussi diffusées en live sur Facebook, donc nous espérons d'avoir un très grand accès à beaucoup de personnes et beaucoup d'intéressés à cette carrière et cet examen qui est en fait lancé aujourd'hui avec la possibilité de vous inscrire en ligne. Ik ga je niet langer ophouden hier. Mijn collega heeft al de agenda heel duidelijk weergegeven. Dus graag geef ik nu het woord aan onze vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmis. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, dag iedereen. En tant que ministre des Affaires étrangères, c'est vrai que j'ai le grand plaisir de m'adresser à vous tous ici présents, qui êtes intéressés par la perspective de rejoindre les affaires étrangères en tant que diplomate. C'est vrai que c'est une opportunité importante que certains d'entre vous attendent peut-être depuis plusieurs années et d'autres. Je sais que pour d'autres, le concours d'entrée est parfois vu avec une certaine appréhension, tant il est réputé difficile. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il s'agit d'une sélection exigeante. Mais on me dit, parce que moi je ne l'ai pas fait cet examen, il faut le savoir, on me dit qu'avec une bonne préparation et surtout une grande motivation, c'est à votre portée, ce que je vous souhaite en tout cas. Donc aujourd'hui on est là pour vous encourager à y participer, répondre à vos interrogations et vous aider pour vous y préparer en tout cas le mieux du monde. Laat me beginnen met zeggen dat de keus voor diplomatie meer is dan die voor een carrière. Het is een levenkeus die bepaald zal zijn voor je hele omgeving. Kiezen voor een diplomatieke carrière is een keus voor samenleven en samenwerken met mensen uit zeer diverse culturen, ervaringen, beleven die je als persoon verrijken en doen groeien. Concreet, ga je aan de slag op een ambassade, een permanente vertegenwoordiging of consulaat in het buitenland of bij de administratie hier in Brussel, dat is ook heel leuk. Misschien word je betrokken bij terrorismebestrijding of de bevordering van mensenrechten. Misschien krijg je de verantwoordelijkheid om landgenoten in moeilijke situatie te helpen, mensen voor wie jij het enige Belgische ankerpunt bent.
Misschien open je een vluchtelingenstoeltje met Belgische geld, bereid je handelsmissie of staatsbezoeken voor, of fungeer je als link tussen Belgische bedrijven en contacten in het buitenland. Wat zeker is, is dat je namens België het verschil kan maken wereldwijd. Kan maken, zal maken, hopelijk. Het is een unieke kans voor mensen met talent en interesse in internationale zaken om de spreekbuis en het visitekaartje te mogen zijn van België. Évidemment, ça, on dirait de la publicité, mais c'est presque ça, parce que la carrière dans les affaires étrangères est une carrière exceptionnelle, et c'est pour ça que je suis heureuse d'annoncer que les affaires étrangères recrutent à nouveau des diplomates. La procédure d'inscription est ouverte depuis aujourd'hui, et cette année, les candidats néerlandophones et francophones pourront donc se présenter à l'examen. J'insiste sur le fait que c'est un concours qui est ouvert à tous, à toutes, pour autant que vous ayez un diplôme d'études supérieures qui est un prérequis. Alors, il n'y a pas de type précis pour être candidat. On ne recherche pas spécialement des personnes qui sont déjà experts en affaires étrangères. Mais c'est vrai que c'est important, mais on cherche plutôt des talents divers, capables d'être flexibles, polyvalents, avec le sens du devoir, c'est très important, et des responsabilités. Alors, ce qui est très important pour moi, pour nous, c'est que le personnel de la diplomatique soit aussi le reflet de la société belge. Donc, une société qui est faite de diversité d'un point de vue social, d'un point de vue des origines aussi, et évidemment aussi d'un point de vue du genre. Je pense que celles et ceux qui me connaissent savent à quel point j'insiste sur ce dernier aspect aussi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait le cas, donc on y travaille via un vaste programme de mentorat, des formations sur les biais et en garantissant l'égalité de représentation lors des événements, pour ne citer que ces exemples. Mais comme vous le savez, le travail est encore long. Alors, surtout, c'est maintenant, au travers du recrutement, qu'on peut aussi faire la différence, et c'est pour ça que je pense que vous pourrez peut-être m'aider sur ce point. Alvast heel veel succes als je deelneemt en ik hoop je over niet al te lang termijn te mogen begroeten hier bij Buitenlandse Zaken. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, madame la ministre. Graag geef ik nu ook het woord aan minister van Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Myriam Kittier, die net zoals mevrouw Wilmes onze FOD vertegenwoordigt binnen de regering. Mevrouw Kittier, graag geef ik u het woord. Dank je wel. Goedenavond allemaal. Ook ik heet jullie graag allemaal van harte welkom. We staan aan de vooravond van een nieuw diplomatiek examen en we hebben jullie nodig. Wie het woord diplomatie hoort, die denkt snel aan een zekere plechtstatigheid. Maar het liefst van al zou ik eigenlijk gewoon willen zeggen, hey dag allemaal, goedenavond. Voor mij heeft de wereld van de diplomatie zich eigenlijk pas het voorbije jaar geopend. Als minister heb ik geleerd dat België kan rekenen op een zeer betrouwbaar team van gekwalificeerde mensen die de belangen van ons land behartigen en hun diplomatieke rol in het buitenland met de nodige ernst en professionaliteit invullen. En toch moet ik toegeven dat ik in die nieuwe wereld ook tijd nodig had om mij aan te passen. Waar ik vandaan kom, moest je op de werkvloer altijd rechtuit zijn en soms met de vuist op tafel slaan om vooruit te komen. Maar de diplomatie is anders en die gaat meestal zeer discreet en indirect te werk. Met een eindeloos geduld, zelfs als een resultaat nog lang niet in zicht is en dat je die diplomatieke subtiliteit ook in de dagdagelijkse omgang terugvindt, heb ik ondertussen ook geleerd. Je zegt bijvoorbeeld niet, mag ik naar het toilet gaan, maar je vraagt of je je handen mag gaan wassen. Le nouvel examen diplomatique contient un message important. Nous recherchons des talents sans frontières. L'objectif est que la Belgique soit représentée le mieux possible, mais aussi le plus fidèlement possible au-delà de nos frontières. C'est pourquoi, en premier lieu, il est important que vous ne rencontriez pas vous-même les limites ou d'obstacles à votre participation. Vous pensez que vous ne rentrez pas dans le carcan du diplomatique classique? Alors, c'est vous que nous cherchons. En het viel me het voorbije jaar op dat ik in de diplomatie vaak vooral door mannen omringd was. We hebben nood aan meer vrouwen in ons korps. En dat is voor de generatie die nu aantreedt des te belangrijker.
Om in deze carrière te slagen en onze diplomatie naar een hoger niveau te tillen, moeten mannen en vrouwen elkaar ondersteunen. Ze zijn bondgenoten in dit verhaal. La diversité n'est pas seulement une question de genre, surtout dans la diplomatie. Je suis aux premières loges pour en témoigner. Quand je pars en mission, en général, la couleur de peau de nos conseilleurs et de nos diplomates est légèrement plus claire que la mienne. Après, quelquefois, je remarque que quand j'ai parti en mission, je devais réfléchir à la manière dont je pouvais faire comprendre que je représentais la Belgique en tant que ministre. Maintenant, je le fais avec un drapeau belge sur mon masque, mais j'espère qu'à l'avenir, nous n'aurons plus à nous poser cette question grâce à un corps diplomatique plus diversifié. En wie voor België diplomaat wordt, zal zich niet enkel bezighouden met diplomatieke en consulaire zaken, maar zal zich ook inzetten voor internationale solidariteit. En daar ben ik als minister van Ontwikkelingssamenwerking ontzettend fier op. Als vertegenwoordigers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zullen jullie over de hele wereld voor heel wat mensen een concreet verschil kunnen maken. Dat kon ik nog niet zo lang geleden met mijn eigen ogen zien tijdens onze missie in Senegal, waar we met onze projecten de lokale producties van vaccins mee mogelijk maken. Een wereld van verschil in deze moeilijke tijden van een pandemie. Diplomaten zijn harde werkers die charmeren met hun dossierkennis. Ze hebben voor elk probleem een oplossing, kunnen zich vlot aanpassen en hebben meestal ook een vleugje humor bij de hand. En daar houden we van. De toekomstige diplomaten wens ik in de eerste plaats dat ze zichzelf blijven. Probeer vanuit je eigen kracht mee de diplomatie te veranderen en niet andersom. Wees jezelf, daarin ligt de grootste kracht voor de toekomst van een diverse Belgische diplomatie en ik ben heel blij dat jullie daaraan mee willen bouwen. Heel veel succes! Hartelijk dank, mevrouw de minister. Graag ga ik nu over naar de presentatie door Celor. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. Ik ben Hanne de Kouteren. Ik werk als selectieverantwoordelijke op Celor en zal samen met mijn Franstalige collega Valérie Dumoulin de selectieprocedure aan jullie toelichten. Ik zal starten. Mijn Franstalige collega zal straks overnemen voor de presentatie die ik doe, zullen de slides in het Frans zijn. Voor de presentatie van mijn collega zijn de slides in het Nederlands. Ik zal starten met het toelichten van enkele belangrijke principes die we toepassen bij al onze selectieprocedures bij Celor. Daarna ga ik jullie het profiel toelichten voor de selectie van buitenlandse carrière. Mijn collega Valérie zal dan meer specifiek of meer in detail de verschillende selectiestappen toelichten. Dus enkele belangrijke principes die we toepassen bij de organisatie van onze selectieprocedures. Ten eerste gaat dat over de naleving van de bestaande reglementering. Jullie mogen alvast overgaan naar de volgende slide hiervoor. Dus meer bepaald het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van buitenlandse carrière en de consulaire carrière bepaalt of beschrijft onder andere de selectieprocedure die we moeten volgen. Het koninklijk besluit of het KB is openbaar. Jullie kunnen dat dan ook terugvinden onder andere op de site van Buitenlandse Zaken en ook op de functiebeschrijving die jullie terugvinden op de site van Celor sinds vandaag. Transparante procedure is een tweede principe. Dus in die functiebeschrijving die sinds vandaag gepubliceerd is op de website van Celor vinden jullie alle belangrijke informatie rond de selectie terug. Die informatie staat vast en zal ook niet meer veranderen. Dus alles wat betreft de deelnemingsvoorwaarden, aantal proeven, volgorde van de proeven, inhoud van de proeven, competenties die beoordeeld worden, dat vinden jullie allemaal terug in die functiebeschrijving. Eenduidige communicatie is ook iets wat wij belangrijk vinden. Het is zo dat we regelmatig kandidaten teleur moeten stellen omdat ze niet geslaagd zijn voor selectieproeven. Aan deze kandidaten of aan alle kandidaten is het zo dat zij binnen de 2 maanden motivering kunnen vragen van hun resultaat.
De selectie wordt georganiseerd door Celor op vraag van de FOD Buitenlandse Zaken. We hebben dan ook nauw samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken voor het bepalen van de vacaturetekst, de gevraagde competenties, het profiel, de selectieprocedure enzovoort. We hebben speciale mailboxen aangemaakt om al de vragen van de kandidaten te kunnen beantwoorden. Voor de vragen die gaan over de selectieprocedure, de testen, de planning, de deelnemingsvoorwaarden enzovoort, willen we vragen dat jullie deze stellen aan Celor. Voor de vragen die gaan over de functie zelf, over de loopbaan, over de indienstreding, over de stage enzovoort, vragen we dat jullie contact opnemen met de FOD Buitenlandse Zaken. De mailboxen staan vermeld in de functiebeschrijving en zijn ook terug te vinden op het einde van deze presentatie. Wat de selectieprocedure betreft, is het zo dat alle kandidaten die nog in de running zijn voor de selectieprocedure gelijktijdig dezelfde informatie zullen ontvangen vanuit deze speciale mailboxen. Daarnaast zullen jullie ook automatische mailings ontvangen vanuit jullie Mijn Celor-account als jullie uitgenodigd worden om jullie in te schrijven voor een test, dus als jullie een testdatum moeten kiezen of als jullie je resultaat van een test krijgt. Dus belangrijk om regelmatig jullie Mijn Celor-account in de gaten te houden. Gelijke behandeling is ook een fundamenteel principe voor Celor. Alle kandidaten worden doorheen de procedure op exact dezelfde manier behandeld. Wat bijvoorbeeld wil zeggen dat iedereen op hetzelfde moment wordt uitgenodigd voor de test, onder dezelfde testomstandigheden de test moet kunnen afleggen, op hetzelfde ogenblik de testresultaten ontvangt enzovoort. We willen jullie met aandrang vragen om altijd op tijd te komen voor de selectieproeven. Het is zo, omdat we alle kandidaten gelijk moeten behandelen, kunnen we ook geen vertragingen aanvaarden. Dus is het niet mogelijk om te laat te komen. Dus willen we met aandrang vragen dat iedereen zeker op tijd aanwezig is om de selectieproeven af te leggen, zodat we jullie niet moeten uitsluiten voor de selectieprocedure. Gelijke kansen, zoals bij de minister daarnet hebben vermeld, is het zo dat de samenleving nog nooit zo divers was als nu en dat we deze diversiteit ook willen weerspiegelen binnen de federale overheid. Een verschillende achtergrond, jong, oud, man, vrouw, transgender, verschillende seksuele voorkeur, handicap of niet. Op de werkvloer werken we allemaal samen en het is zo dat enkel de competenties en talenten van de medewerkers tellen. Gelijke kansen vormt dan ook een rode draad doorheen onze selectieprocedures. En met objectieve selectieprocedures zorgt Celor ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, handicap enzovoort geen rol spelen bij het screenen van onze toekomstige federale medewerkers. Om gelijkwaardige kansen te garanderen, is het zo dat kandidaten met een handicap, met leerstoornis of met ziekte aanspraak kunnen maken op redelijke aanpassingen van hun selectietesten. Daarvoor verwijs ik jullie door naar onze website Celor voor meer informatie. Dan ga ik het nu hebben over de deelnemingsvoorwaarden, dus het profiel. Het gezochte profiel voor deze selectie van buitenlandse carrière. De toelaatbaarheidsvoorwaarden of de deelnemingsvoorwaarden staan vermeld in de functiebeschrijving. Ik zal de belangrijkste hier toelichten. De Belgische nationaliteit is een vereiste om de functie te kunnen uitoefenen. Opgelet, het is niet Celor die deze voorwaarden gaat checken durende de selectieprocedure, maar het is die nationaliteitsvoorwaarde wordt gecheckt door de FOD Buitenlandse Zaken op het moment van de aanwerving. Wat Celor wel gaat screenen zijn de toelaatbaarheidsvoorwaarden of de deelnemingsvoorwaarden op vlak van diploma en taalcertificaat. Dus op de uiterste inschrijvingsdatum, dat is 21 februari 2022, moet je in het bezit zijn van een masterdiploma en moet je dat masterdiploma ook opgeladen hebben in je online cv. Zo niet, kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. Het KB of het Koninklijk Besluit bepaalt dat je in het bezit moet zijn van een masterdiploma, dus laatstejaarsstudenten kunnen dan ook niet deelnemen aan deze selectieprocedure. Daarnaast moet je ook beschikken over het taalcertificaat van elementaire kennissen van de tweede landstaal. Meer specifiek wordt dat benoemd als artikel 14, tweede lid.
Als je nu nog niet beschikt over dat taalcertificaat van de tweede landstaal, dan vragen we jou om je zo snel mogelijk via onze website in te schrijven voor deze taaltesten, zodat je tijdig beschikt over het taalcertificaat om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Voor de kandidaten die deelnemen aan de Franstalige selectieprocedure, zij moeten beschikken over een taalcertificaat van de Nederlandse taal. Voor de kandidaten die deelnemen aan de Nederlandstalige selectieprocedure, zij moeten beschikken over artikel 14 in het Frans. Het taalexamen bestaat uit twee delen. Een computergestuurd gedeelte en een mondeling gedeelte. Voor het computergestuurd gedeelte moet je je ten laatste op 21 februari inschrijven via onze website en een testdatum gekozen hebben. De computergestuurde testen bestaan uit twee delen die je peilen naar jouw leesvaardigheid en luistervaardigheid. Je kan testdata kiezen tot en met begin maart 2022. Als je geslaagd bent voor het computergestuurd gedeelte, je krijgt binnen de 10 dagen je resultaat, dan dien je zo snel mogelijk een datum te kiezen om het mondeling gedeelte af te leggen. Dat mondeling gedeelte is een conversatie over professionele thema's. Het duurt ongeveer 10 minuten. En deze testen worden georganiseerd tot en met begin april. We vragen dus nogmaals om je zo snel mogelijk in te schrijven op die taalexamens, zodat je tijdig in het bezit bent van het nodige taalcertificaat. De beide taaltesten gaan door in onze gebouwen van CELOR, WTC 3, dichtbij Brussel-Noord. Dan ga ik het nu misschien nog eventjes vermelden. Alle individuele vragen over de deelnemingsvoorwaarden. Het is bijvoorbeeld zo dat bepaalde andere artikels een vrijstelling geven op dat artikel 14. Als je daar rond met vragen zit, kan je aarzel niet om contact op te nemen via onze specifieke mailbox. We proberen jullie vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Op de functiebeschrijving op onze website staat ook een vak of twee vaks meest gestelde vragen rond dat taalcertificaat en rond de selectieprocedure. Het competentieprofiel, dus doorheen de selectieprocedure gaan we de verschillende vereiste competenties gaan evalueren. Die zal ik nu eventjes met jullie overlopen. Dus kennis van het mondeling en schriftelijk Engels op niveau C1. Dat is dus niveau C1 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen zoals opgesteld door de Raad van Europa. Kennis van het Engels hiervoor is niet mogelijk om een vrijstelling te krijgen. Dat wordt gemeten via een schriftelijke en een mondelinge taaltest. Een grote belangstelling voor de verdediging van de Belgische belangen in het buitenland en voor de opdrachten van de FOD Buitenlandse Zaken is een competentie die gemeten wordt in het interview. Meer specifiek gaat het over internationale relaties, dus inzicht in internationale betrekkingen op het gebied van politieke en economische diplomatie, relaties met de Europese Unie, multilaterale diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Consulaire zaken gaat onder andere over het begrijpen van consulaire, juridische en administratieve materies. Publieke diplomatie, beïnvloeden en netwerken gaat onder andere over het beïnvloeden van actoren om de standpunten en de belangen van België te verdedigen en om daartoe ook het nodige netwerk op te kunnen bouwen. Interculturele competenties tenslotte maakt daar ook deel van uit. Dus het kunnen begrijpen en respecteren van personen met een ander cultureel referentiekader en positieve constructieve relaties met hen kunnen opbouwen. Verder vereiste competenties die gemeten worden in de selectieprocedure zijn informatie integreren, dus verbanden kunnen leggen tussen verschillende gegevens en tot conclusies kunnen komen, beslissen op basis van volledige of onvolledige informatie en doelgericht acties kunnen ondernemen op basis van beslissingen. Ook het leidinggevende wordt geëvalueerd, de competentie medewerkers motiveren. Beïnvloeden opnieuw, het gaat daarover onderhandelen en een publiek kunnen overtuigen, onder andere. En ook de communicatievaardigheden zijn uiteraard belangrijk voor deze carrière. Zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatievaardigheden worden geëvalueerd doorheen de selectieprocedure.
Op deze slide zien jullie een overzicht van de verschillende selectiestappen. Het is zo, als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden op vlak van diploma en op vlak van taalcertificaat, dan zal je uitgenodigd worden voor het voorexamen. Het is zo dat je 50% moet halen voor elke proef om te slagen en om door te gaan naar de volgende stap. Als je geen 50% behaalt, ben je niet geslaagd en dan stopt de procedure voor jou. De vergelijkende selectie bestaat uit 5 stappen. Om te kunnen slagen moet je dus telkens 50% behalen en om opgenomen te kunnen worden in de lijst van geslaagden of de laureatenlijst, dien je 60% te behalen voor het totaal van de proeven 1 tot en met 5. Praktisch gezien is het zo dat alle selectieproeven georganiseerd worden fysiek in de gebouwen van CELOR, dus in WTC3-gebouw vlakbij Brussel-Noord. Het is zo dat we in de functiebeschrijving jullie geprobeerd hebben om een voorlopige planning mee te geven. De planning is onder voorbehoud, dus het is zo dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor dat de planning niet gerespecteerd kan worden. Maar we proberen ons zoveel mogelijk te houden aan de planning, zodat jullie op voorhand dat ook kunnen inschatten. Bijvoorbeeld voor proeven 2 en 3, deze gaan door in een weekend eind juni. Daarvoor verwijs ik door naar de functiebeschrijving. Ik geef het woord nu door aan mijn collega Valérie. Zij zal meer in detail de verschillende selectiestappen toelichten. Voilà. Merci Anne pour ta présentation. Donc moi je vais prendre le relais maintenant en français, donc avec les slides qui sont en néerlandais. Je vais vous expliquer donc chaque étape de la procédure de sélection, donc concrètement vraiment le contenu de chaque épreuve, avec comme Anne l'a signalé déjà le planning, parce que je sais, j'ai vu déjà dans certaines questions que certains candidats sont très intéressés par les dates des différentes épreuves, notamment pour les candidats qui sont à l'étranger. Donc les dates vont être communiquées ici, mais comme Han, ma collègue, l'a précisé, donc elles sont toujours à prendre sous réserve, même si on fera vraiment le nécessaire pour que le planning soit maintenu tel qu'annoncé. Donc la première, la procédure de sélection pour la carrière extérieure diffère assez fortement des procédures standards du CELOR. Donc en fait, on commence ici d'abord par une épreuve préalable, qu'on peut également appeler épreuve de présélection. Donc c'est-à-dire que tous les candidats qui réussissent cette épreuve préalable peuvent accéder ensuite à la sélection comparative. Donc il faut atteindre 50% pour la réussir. Si vous la réussissez, vous atteignez donc la sélection comparative. Si vous échouez, bon, du coup, pas de participation pour la suite de la procédure, mais il n'y a évidemment aucun impact sur les autres sélections actuelles ou futures. Donc, cette sélection, cette épreuve préalable se déroulera entre le 26 avril et le 11 mai. Donc, les candidats seront invités à s'inscrire à partir donc, de la mi-avril via un email que vous recevrez et également un message dans votre dossier en ligne, mon dossier sur le site du CELOR. Alors, cette épreuve préalable, donc on va passer au slide suivant. Cette épreuve préalable donc a une durée environ de 3h30, donc elle se fait sur PC et elle est composée donc de 3 tests. Donc les 2 premiers tests vont évaluer d'abord le raisonnement abstrait, ensuite le raisonnement verbal. Donc pour ces 2 tests, vous verrez que dans la description de CELOR, donc la publication, il y a un lien qui vous mène vers une petite démo. Comme ça, vous pourrez un petit peu découvrir le contenu de ces deux tests-là. Le troisième test est le test des dossiers. Donc, ce test permet d'évaluer les compétences, intégrer l'information, et décider. Donc, vous devez traiter différents dossiers. Chacun d'entre eux porte sur un thème bien défini. Donc, si vous réussissez, je rappelle, cette épreuve préalable, donc avec un minimum de 50%, donc vous êtes sélectionné pour la suite de la procédure, donc qui est la sélection comparative. Alors, cette sélection comparative est composée donc de 5 épreuves. Vous aviez vu tout à l'heure sur un des slides de Han déjà le contenu des 5 épreuves. Donc, moi, je vais vraiment aller dans les détails de chaque épreuve. Donc, la première épreuve est une épreuve qui porte sur les compétences génériques. Donc, elle se fait toujours de manière informatisée, d'une durée d'environ 1h05, et elle se fait via un test de jugement situationnel.
Elle mesure les compétences génériques suivantes, donc décider, motiver des collaborateurs et influencer. Donc l'épreuve consiste en fait en différentes situations, dans un certain contexte. Dans chaque situation, vous avez un certain nombre de réactions sur lesquelles vous devez porter un jugement. Vous devez indiquer à chaque fois dans quelle mesure vous trouvez cette réaction particulièrement appropriée. Les questions sont à choix multiples. Pour réussir cette épreuve, vous devez obtenir au moins 20 points sur 40 et cette épreuve compte pour le classement. Elle sera organisée entre le 30 mai et le 3 juin. Donc, en cas de réussite à cette épreuve, vous accédez donc à l'épreuve 2, qui est le test linguistique d'anglais écrit, donc niveau C1. Donc, il s'agit d'une rédaction de texte sur un support informatisé. Cette rédaction peut comporter plusieurs parties distinctes et elle a trait à des thèmes professionnels ou à un contexte professionnel. Le niveau de maîtrise requis est le niveau C1 du cadre de référence européen du Conseil de l'Europe, un des niveaux donc les plus avancés. Pour réussir, vous devez obtenir minimum 20 points sur 40. Par contre, cette épreuve ne compte pas pour le classement. Elle se déroulera soit le 25, soit le 26 juin. Je reviendrai sur ces deux dates par la suite. L'épreuve 3, il s'agit donc de la conférence. Donc, c'est une épreuve portant toujours sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction. C'est une épreuve qui dure environ 3h30 et qui se fait également sur un support informatique. Elle consiste en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence. Donc, les compétences qui sont évaluées via cette conférence sont intégrer l'information et la communication écrite. Cette conférence portera sur un sujet en lien avec le contenu et le contexte de la fonction. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 30 points sur 60 et cette épreuve compte pour le classement. Cette épreuve se déroule soit le 25, soit le 26 juin. Donc, je reviens sur ces deux dernières épreuves, donc l'épreuve l'anglais écrit et la conférence. Donc, en fait, elles ont été regroupées sur un seul week-end, donc le 25 et 26 juin, pour la commodité des candidats, notamment pour les candidats qui viendraient de l'étranger, qui ne devraient donc se déplacer qu'une seule fois ce week-end-là pour passer ces deux épreuves. Toutefois, on insiste quand même sur le fait que donc il s'agit d'une ce qu'on appelle une correction en cascade, c'est-à-dire que la conférence sera corrigée uniquement si vous avez réussi le test écrit d'anglais. Voilà. Donc, si vous avez échoué au test d'écrit d'anglais, la conférence ne sera pas corrigée et donc la procédure s'arrêtera là au niveau de la procédure de sélection. Au niveau de la correction, donc elle est faite à ce qu'on appelle en double, avec la méthode double aveugle. Donc, ça, c'est pour les deux, hein, aussi bien le test d'anglais écrit que la conférence. Donc, la correction est effectuée par un duo d'experts qui corrige les copies de manière anonymisée. Donc, chaque expert corrige les copies de son côté et ensuite une délibération a lieu sous la présidence du CELOR. Les CELOR anonymisent les copies, c'est-à-dire que toutes les coordonnées des candidats ne seront pas visibles pour la correction et la délibération. Donc, en cas de réussite à l'épreuve 2 et ensuite à l'épreuve 3, vous passez donc à l'épreuve 4 qui consiste au test linguistique anglais oral niveau C1. Donc, cette épreuve consiste en une conversation d'environ 12 minutes sur des thèmes professionnels. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 20 points sur 40. Cette épreuve ne compte pas pour le classement. Et les entretiens auront lieu dans le courant du mois de novembre 2022. Une remarque très importante, c'est qu'il n'y a aucune dispense possible. Donc, si jamais vous avez déjà passé ces tests d'anglais dans le cadre d'anciennes sélections de stagiaires de la carrière extérieure ou même dans le cadre d'une autre sélection, voilà, cette épreuve est obligatoire et doit être passée dans d'autres sélections. Alors, là, on arrive donc à la dernière épreuve de la procédure de sélection, l'épreuve 5, qui est l'épreuve orale. Donc, c'est un entretien d'environ 1h30 avec une éventuelle préparation qui permet d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges et à l'étranger et aux missions du SPF. Donc, c'est-à-dire, et Hanne les avait déjà citées tout à l'heure dans les compétences, mais donc c'est la motivation, les relations internationales, les affaires consulaires, la diplomatie publique, influence et réseaux, les compétences interculturelles et la communication orale. On s'appuie également sur votre curriculum vitae en ligne, dans mon CELOR, qui sera utilisé comme information complémentaire lors de l'entretien.
Pour réussir cette épreuve, vous devez obtenir au moins 50 points sur 100 et cette épreuve compte pour le classement. Les entretiens auront lieu à partir de la mi-décembre 2022. Voilà, donc ça c'est pour la procédure de sélection. Alors, comment peut-on se préparer à l'examen? Donc, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de voie royale pour réussir le concours. Peu de littérature disponible sur le concours et en tout cas, pas de liste d'ouvrages de référence qui vous sont donnés. Mais par contre, nous avons beaucoup de conseils pratiques et de bon sens basés sur l'expérience des diplomates. Et en parlant de conseils, nous en avons donc quelques-uns. Donc déjà, toutes les informations sur cette sélection sont sur le site du CELOR. On peut passer au slide suivant, je pense. Vous pouvez suivre donc les dernières nouvelles de la politique internationale, donc tout ce qui est les journaux, les magazines, les ouvrages de référence, etc. Sur le site web du SPIF Affaires étrangères, qui est évidemment une bonne source d'informations, et suivre aussi nos canaux de médias sociaux où les vidéos, des podcasts sur la carrière apparaîtront dans les prochains jours. Alors, en termes de communication de résultats, donc les résultats seront présents donc, dans votre dossier en ligne, mon dossier, dès que tous les candidats ont passé le test. Vous avez toujours la possibilité de demander un feedback jusqu'à 2 mois après la date de résultat, de l'envoi des résultats, pardon. Donc, tous les lauréats de la sélection comparative, donc tous ceux qui obtiennent 50% passent à l'épreuve suivante. Le classement de la liste des lauréats est déterminé sur base des points obtenus lors de la première épreuve, la conférence et l'épreuve orale de la sélection comparative. Cette liste est valable 1 an et peut être renouvelée 1 fois. Alors, CELOR met la liste des lauréats à la disposition du SPIF Affaires étrangères. À partir de là, le travail de CELOR s'arrête et ce sont les services du SPIF Affaires étrangères qui sont responsables du recrutement proprement dit. Le SPIF recrutera dans l'ordre de classement. Alors ici, le slide suivant. On reprend, en fait, il y a des mailbox qui ont été créés pour toutes les informations concernant donc différents points. Donc, nous avons d'abord une mailbox qui a été créée pour toutes les questions relatives aux examens linguistiques. Ensuite, une mailbox, chaque fois évidemment francophone ou néerlandophone, dans les deux rôles linguistiques, pour toutes les questions relatives à la procédure de sélection. Et enfin, toutes les questions relatives à la fonction en tant que telle. Donc, si vous avez des questions, par exemple, sur le salaire, le stage ou vraiment le contenu de la fonction, alors c'est la troisième adresse mail à laquelle vous devez vous adresser. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et je passe le relais à M. Hugues Chantry, qui est maître de stage. Voilà, normalement vous devriez me voir et m'entendre. Bonsoir à tous, goedenavond, dames en heren. Dus zoals gezegd, zoals gehoord, mijn naam is Hugues Chantry en ik ben de zogenaamd stagemeester voor de stagiairs van de buitenlandse carrière aan onze FOD, dus Federale Overheid Diensten, Buitenlandse Zaken. En concreet, het is een bizarre naam, maar concreet betekent dit dat ik verantwoordelijk ben voor de voorbereiding, de implementering van de stage, maar ook voor de omkadering van de stagiairs tijdens hun eerste stappen bij ons op Buitenlandse Zaken. Alors, maintenant, je vais vous parler aussi brièvement, mais aussi complètement que possible, de ce stage, ces 2 premières années aux affaires étrangères, en commençant par quelque chose d'un petit peu peut-être rébarbatif, les conditions d'admissibilité. Vous voyez qu'il est fait la référence aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016. La bonne nouvelle, c'est que l'article 7, je ne dois plus en parler puisque les collègues de BOSA viennent de le faire, puisqu'il porte sur les conditions en fait, de participation aux épreuves. L'article 6, en revanche,
touche plus spécifiquement le stage, puisque lui porte sur les conditions pour être nommé agent de la carrière extérieure au terme de votre stage. Alors, il y a 4 conditions. Et ces conditions sont les suivantes. Les 2 premières, je ne reviens pas dessus, elles portent sur l'examen en tant que tel, les épreuves de sélection dont on vient de parler en long et en large. La 3e est très succincte et dit simplement que vous devez accomplir avec succès le stage. En d'autres termes, cela équivaut à dire que vous devez recevoir pendant ce stage des évaluations globalement positives. Et je vais m'appesantir un peu sur la dernière et 4e condition, car elle est importante et je ne vais pas vous le cacher, elle crée souvent des cheveux blancs chez nos stagiaires. C'est la condition qui porte sur le certificat de seconde langue nationale, certificat que vous devez obtenir pendant le stage, pendant la première année du stage. Vous avez entendu, pour se présenter au concours, il faut déjà avoir un certificat de niveau article 14, paragraphe 2. Mais ici, après un an de stage, pour pouvoir continuer le stage et donc votre carrière, on va vous demander un autre certificat qui est d'un niveau supérieur, qui est le niveau article 14, paragraphe 1. Donc, ne vous laissez pas surprendre pendant votre stage, par cette condition absolument sine qua non pour pouvoir continuer votre stage. Alors, il y a déjà été fait allusion par les 2 intervenantes qui m'ont précédé, l'admission dans l'ordre de classement au concours. Effectivement, vous êtes classé au concours, et concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, si tout va bien et sous réserve, le 1er mai 2023, 30 des lauréats de l'épreuve que nous lançons aujourd'hui vont pouvoir commencer leur stage. Alors, ce seront les personnes qui à la fois seront les premières classées, mais aussi celles qui auront accepté l'offre d'emploi qu'ils auront reçue après leur réussite aux épreuves de sélection. Alors, accepter ou non cette offre d'emploi, c'est une décision qui est parfois difficile à prendre parce que, comme notre ministre, Madame Wilmès, le disait il y a quelques instants, c'est non seulement ici le choix d'une carrière, le choix d'un travail, mais également un choix de vie, non seulement pour vous et pour votre famille. Donc, c'est vraiment une décision lourde de conséquences. Et comme nous en sommes parfaitement conscients, nous organisons pour les lauréats et leurs partenaires, une séance d'information après l'examen où nous allons donc à nouveau plus en détail vous parler de la vie à l'étranger et de la vie pour les affaires étrangères et également encore un petit peu du stage pour que vous puissiez prendre donc cette décision vraiment en toute connaissance de cause. Alors, le stage, la philosophie du stage, eh bien, c'est un stage de 2 ans, comme j'y ai déjà fait référence, avec une partie à Bruxelles, 1 an à Bruxelles et maximum 1 an à l'étranger. Alors, vous entrez dans la petite particularité, vous rentrez par ce stage dans la fonction publique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de contrat de travail, comme parfois ça nous est demandé, il n'y a pas de contrat de travail, vous êtes d'emblée en quelque sorte considéré comme des fonctionnaires et donc vous n'avez pas de contrat de travail. Le stage, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est un stage que nous voulons extrêmement pratique et son but est vraiment de vous apprendre les tâches qui seront les vôtres pendant, nous l'espérons, longtemps, et également les méthodes de travail des affaires étrangères. Il s'agira également d'apprendre plus encore que vos connaissances actuelles, d'apprendre à connaître la Belgique et également démontrer à votre employeur, aux affaires étrangères, donc, vos compétences et aptitudes. Et alors, un dernier point qui n'est pas une obligation légale pour nous, mais qui est très important pour les stagiaires, c'est que vous devez aussi voir ce stage comme une possibilité de vous rendre compte vous-même, avec évidemment votre famille, si cette vie que nous vous proposons
à l'étranger, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous et qui sera susceptible de vous rendre heureux. Alors, dernier point qui figure sur la présentation, évaluation régulière, ça dit bien ce que ça veut dire. Aussi bien pendant votre stage à Bruxelles que pendant votre stage à l'étranger, vous serez régulièrement évalué pour voir si, oui ou non, vous pouvez continuer la route avec nous. Volgende slide, alsjeblieft. Voilà. En hier kunt u eigenlijk zien hoe een stage op het hoofdbestuur eruit ziet. Verschillende periodes, en wij beginnen onmiddellijk in mei, in dit geval zal het mei 2023 zijn, mei en juni, gemeenschappelijke activiteiten. En als u snel leest en verder leest, kunt u zien dat er vier dergelijke periodes van gemeenschappelijke activiteiten zullen zijn, gespreid op de 12 à 13 maanden van uw stage in Brussel. Wat doen we tijdens deze vier periodes? Het gaat vooral over presentaties door collega's van de verschillende diensten van onze FOD Buitenlandse Zaken, omdat het bijzonder belangrijk is dat u onmiddellijk weet wat wij allemaal doen bij Buitenlandse Zaken en wat wij van onze agenten verwachten. Dat is natuurlijk bijzonder cruciaal, denk ik. Daarna gaat het ook over contacten met onze gewone partners. En daar denk ik vooral bijvoorbeeld aan de gewesten en gemeenschappen. Ook het ministerie van Defensie, het parlement en dergelijke instellingen. Wij hebben ook voorzien een reeks bezoeken aan belangrijke economische actoren in België. Dus een paar bedrijven in Wallonië, Brussel, Vlaanderen, maar ook heel centrale actoren, zoals bijvoorbeeld de havens van Antwerpen en Zeebruggen of AWDC in Antwerpen, en dat zijn maar een paar voorbeelden. En daarbovenop krijgt u ook tijdens deze gemeenschappelijke activiteit een reeks vorming of opleiding in verschillende competenties die wij als belangrijk achten. Zoals bijvoorbeeld opleiding rond onderhandelingen, opleiding rond management van een diplomatieke post, interculturaliteit en dergelijke. Dan ziet u juni, augustus, dat zijn eigenlijk 14 weken, daar beginnen we met een ander soort activiteit, dat zijn de individuele stages bij een dienst van ons ministerie of bij de DGC. DGC betekent hier Direction Générale van Consulaire Zaken. Dus telkens 14 weken, zijn twee periodes zo. En tijdens zo'n periode, ik moet mijn eigen notas terugvinden. Tijdens zo'n periode werkt u in een dienst, bijvoorbeeld dienst Afrika, dienst mensenrechten of geografische dienst van ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. En daar werkt u letterlijk als een gewoon agent, een gewoon ambtenaar, uiteraard met een coach. En daar kunt u zich bezighouden met reële dossiers. Dus dat heeft niets fictiefs, dat zijn echt reële dossiers. En daar natuurlijk, dat is een uitstekende manier om de procedure, onze manier van werken, hoe wij schrijven en dergelijke, om dat allemaal te leren. Bij de DGC, dus bij consulaire zaken, is het anders. Weer al 14 weken, maar daar krijgt u een echt diepgaande theoretische vormingen over alle aspecten van consulaire zaken. En na zo'n theoretische vorming krijgt u een korte stage in absoluut alle diensten van de Directie-Generale Consulaire Zaken. En op het eind krijgt u ook een stage van één week op een consulaat-generaal van België ergens in Europa. U kan ook zien
in op het agenda, op uw scherm, dat er ook sprake is van blokperiode en van examen. Ja, jammer genoeg zijn er examens. Na 1 jaar stage op het hoofdbestuur is er eigenlijk een zogenaamd toelatingsexamen tot het tweede gedeelte van de stage. En dat bestaat uit twee proeven. 1 consulaire proef en een paar weken later een algemene proef. Wat is de materie? Geen zorg, dat zijn allemaal dingen die u normaal op dit moment nog niet beheerst. Maar na 1 jaar stage zal het eigenlijk vrij eenvoudiger zijn dan nu. Niet zo gemakkelijk, maar eenvoudiger dan nu op het moment dat ik met u spreek. En dan na het examen, laatste examen, dus algemeen examen, hebt u weer een periode van gemeenschappelijke activiteit, vooral vorming rond een paar competenties en, last but not least, voorbereiding voor uw eigen vertrek op post. Dus dat is het, een stage, een typische stage op het hoofdbestuur. Eigenlijk geen tijd te verliezen. Heel belangrijk ook te weten, dat is een stage dat zo bestaat sinds 2016. Vroeger hadden wij 3 verschillende carrières. Nu hebben we maar 1 carrière, 1 gemaakte carrière. Dus dat is een vrij intense stage. Volgende slide. Ja. Alors, nous arrivons à la dernière partie de ce stage. C'est après la réussite de l'examen. Donc, vous pouvez partir en stage. Et là, c'est ce qu'on appelle, comme vous pouvez le lire, le stage en poste. Vous pouvez lire aussi 2 choses, notamment que le stage fait 12 mois maximum, mais que c'est dans le poste qu'il a lieu, dans le poste de première affectation. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous allez partir plus longtemps que 12 mois dans ce fameux premier poste. 12 mois comme stagiaire et ensuite 2 à 3 ans comme full-fledged diplomate. Donc, préparez-vous au moment où vous émettez vos choix pour votre premier mouvement diplomatique, bien que ce soit un mouvement de stagiaire, eh bien, réfléchissez bien aux choix que vous allez faire, parce que ce sont des choix qui vous engagent en fait pour 3 à 4 ans. Alors parlons maintenant de la procédure que nous allons suivre pour envoyer les stagiaires dans tel ou tel poste. Eh bien, c'est la procédure tout à fait classique que nous utilisons pour tous les mouvements. Les candidats, en l'occurrence les stagiaires, reçoivent une liste de postes à pourvoir. Cette liste a été évidemment rédigée sur base des besoins du service. Et dans cette liste de postes, ils peuvent alors émettre leurs préférences, 5 au minimum, 8 au maximum, en donnant de bons arguments pourquoi ils veulent aller là plutôt qu'ailleurs. Et c'est ainsi donc que votre premier mouvement aura lieu. Si tout se passe bien, c'est-à-dire si en poste, votre chef de poste a été suffisamment content de vous pour vous faire des évaluations globalement favorables, eh bien, vous pourrez, après 12 mois en poste à l'étranger, 12 mois maximum, vous pourrez prêter serment. Et à ce moment-là, vous allez effectivement rentrer dans la carrière définitivement. Voilà, c'est ici que s'arrête ma présentation. Voilà. Bonsoir, goedenavond. Mijn naam is Michel Malherbe, al ongeveer 30 jaar in dit mooi beroep. Een paar keer ambassadeur hier en daar. En nu even directeur buitenlands personeel, verantwoordelijk voor de aanwijzingen in het buitenland. En vooral blij om vanavond hier te zijn. Ik heb maar een paar minuten en dus ook een paar sleutelwoorden. Het eerste sleutelwoord is mobiliteit, internationale mobiliteit.
Diplomaten veranderen van functie en dus verhuizen om de 3 à 4 jaar, wereldwijd. In comfortabele, maar vaak ook in moeilijke en soms zeer veeleisende omstandigheden. We zijn niet bang voor crisissen. We verhuizen in principe 2 maal opeenvolgend naar buitenlandse bestemmingen. Daarna een 3de keer naar België voor een soort herwoning. Dan gaat een nieuwe cyclus van 9 tot 12 jaar van start. Uw hele loopbaan. Een zeer veeleisende loopbaan dus. Mobiliteit, ook intellectuele mobiliteit. We zijn allemaal verondersteld om in de 3 beleidsdomeinen van buitenlandse zaken te kunnen dienen. Consulaire zaken, internationale samenwerking, politieke en economische zaken. We streven naar een evenwicht over de hele loopbaan. We zijn dus geen specialisten, behalve dan in de diplomatie zelf als manier van leven en van zijn. Alors, le mot-clé suivant, mon collègue Hugues Chantry en a parlé auparavant, c'est l'intérêt du service. Donc, nous réalisons les affectations en poste en fonction de la nécessité absolue d'équiper tous nos postes, et il y en a plus de 100, d'équipes compétentes et motivées. Ça, c'est l'intérêt du service. Mais nous voulons aussi des diplomates heureux et épanouis. Donc, nous combinons autant que possible l'intérêt du service, dont j'ai parlé, et les envies de nos agents. Donc, nous tenons le plus possible compte des préférences géographiques, linguistiques, etc., de nos agents, et aussi de leur famille. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Les intérêts des conjoints et des enfants de nos agents sont pris en compte autant que possible. Donc, bien évidemment, les affaires étrangères prévoient logement, école internationale, retour annuel, tout ce qui accompagne une expatriation. Donc, nous essayons de connaître nos agents au mieux afin de combiner l'intérêt du service et les aspirations des personnes. Donc, en résumé, pour reprendre mes mots-clés, il y a la mobilité physique, la mobilité intellectuelle, et qui est entraînée par une grande curiosité, qui est probablement la base de ce métier. Cette mobilité, elle est essentielle tout au long de cette carrière qui est exigeante et passionnante. Donc, il faut être prêt à conserver cette mobilité tout au long de la carrière. Et cette mobilité, elle sera mise au service de votre pays, des intérêts de votre pays, mais sans vous oublier, vous et vos proches, partenaires et enfants, en tant qu'individu, parce que je pense que des diplomates heureux font du bon travail. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Bonne chance, veel succès. Bonsoir à tous. Goedenavond, iedereen. Mon nom est Elwar Mounia. Et je suis actuellement stagiaire diplomate au SBF Affaires étrangères. On m'a demandé de parler un petit peu du début du stage et de la manière dont j'ai préparé le concours. Donc, comme vous le savez, comme M. Chantry vient de le rappeler, la nouvelle promotion de stagiaire qui s'appelle la promotion Lucie Desjardins a commencé son stage le 16 août. Dernier, le 16 août 2021, à l'issue du concours qui avait été lancé en 2020 et qui a été interrompu pour les raisons de Covid et qui s'est terminé au mois d'avril-mai de l'année dernière. Mon parcours, à moi, très brièvement, je suis juriste de formation, ce qui n'a rien de très étonnant, mais on a aussi d'autres parcours extrêmement différents dans la promotion des personnes qui ont étudié le russe, le chinois ou qui ont des parcours aussi extrêmement différents, la philosophie, la sociologie, etc. Et puis le concours, je l'ai tenté pour la deuxième fois cette fois-ci, donc ne vous découragez pas si ce n'est pas la première fois non plus, nous sommes également plusieurs à avoir dû le tenter plusieurs fois. Pour préparer le concours, ce qui est effectivement extrêmement utile, c'est de faire très attention à la procédure, comme le Célor vient de le dire, et de bien avoir en tête les compétences qui sont évaluées, tant sur les premiers tests informatiques que jusqu'au grand jury final.
Évidemment, ce n'est pas une surprise non plus, mais suivre l'actualité internationale et les activités du SPF, surtout, sont extrêmement, extrêmement utiles. Et en ce qui concerne les activités du SPF, on vient de le rappeler, mais il est très important de se focaliser non seulement sur tout ce qui est politique, mais également sur tout ce qui est affaires consulaires et aussi coopération, développement. Et là, je fais le lien avec le stage donc, qui a commencé au mois d'août, comme M. Chantry vient de le rappeler. Nous avons une formation dans ces trois domaines-là. Et c'est vraiment à l'issue de la formation, il est vraiment attendu que nous puissions effectuer des fonctions tant dans le domaine politique économique que dans le domaine consulaire, que dans celui de la coopération au développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant, très diversifié et aussi qui ouvre pas mal de portes et pas mal d'horizons dans les fonctions qui pourront nous être données. Et très concrètement, au niveau du stage, moi j'ai commencé par un stage à ce qu'on appelle la DGC, la Direction Générale Affaires Consulaires, où nous avons donc une formation théorique mais aussi pratique sur toutes les matières consulaires, donc très concrètement tout ce qui est les passeports, les cartes d'identité, les visas, les actes notariés, les actes de l'état civil. Ça paraît un petit peu aride, mais il y a beaucoup d'intérêt derrière, parce qu'on travaille directement et pour le citoyen belge. Et il y a aussi la matière qui est extrêmement intéressante de l'assistance consulaire et de l'assistance en cas de crise, comme vous avez pu l'entendre notamment lors des derniers rapatriements d'Afghanistan. Donc ce sont toutes des matières auxquelles on a pu toucher pendant le premier stage à la Direction Générale Affaires Consulaires. Et puis il y a évidemment pas mal de formations théorique sur la politique étrangère belge. Et là, très concrètement, à la fin de ce mois de janvier, nous sommes dans une deuxième phase de formation théorique avant notre deuxième stage pratique. Et moi, je vais faire mon stage dans une autre direction générale, celle de la coopération au développement cette fois-ci, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et puis, il y a aussi une date clé que nous retenons et qui arrive dans pas très longtemps, c'est la date où nous sera communiquée la liste des postes vacants et où nous pourrons voir effectivement où est-ce que nous pourrons être envoyés au mois d'août prochain. Et là, effectivement, c'est un moment assez important du stage, parce que le premier poste, comme on l'a rappelé aussi tout à l'heure, est toujours un fait assez marquant de la carrière. Donc voilà, moi je suis extrêmement enthousiaste sur le début de cette carrière et sur la suite. Et je ne peux que vous encourager aussi, comme l'a dit Monsieur Malherbe, à vous lancer, même si vous avez des craintes, et surtout peut-être si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous, faites-le. Et voilà, je suis évidemment à votre disposition s'il y a des questions tout à l'heure. En nu geef ik het woord, denk ik, aan Karel de Volder. Goedenavond, ik ben Karel de Volder. Ik zit in het tweede jaar van diplomatieke stage en ik ben sinds mijn diploconsul in Dublin. Ik studeerde Arabistiek en Islamkunde, wereldreligies en sociologie en alvorens te starten aan de stage was ik beleidsmedewerker aan de KU Leuven. Munja vertelde al over het eerste stagejaar. Het tweede stagejaar is erg anders. Je draait dan volledig mee in een Belgische post, meestal in het buitenland. En de voorbereiding voor het vertrek naar de eerste post is zeker heel intens. Onze groep van stagiairs kreeg hun post in maart en wij vertrokken in mei. Dus het is een heel korte periode om alles geregeld te krijgen. Zowel de verhuis zelf als ook familiale, administratieve, medische zaken die je moet in orde brengen. Maar uiteraard krijg je wel ondersteuning vanuit het departement. En na aankomst moet je ook zo snel mogelijk huisvesting zoeken. Dus het is toch een heel intense periode. Mijn taken op post zijn heel gevarieerd. Als consul sta ik aan het hoofd van de consulaire afdeling. Hier zijn we gefocust op de ondersteuning van Belgen die in Ierland wonen. Dus wij geven EID's, paspoorten en attesten af. We handelen nationaliteitsdossiers. En we geven ook consulaire bijstand aan België in nood. Hiernaast hebben we ook een visaafdeling. En daarnaast sta ik ook in voor het HR-beleid, beheer van de gebouwen, administratie. Dit uiteraard allemaal in samenspraak met de ambassadeur.
En ik rapporteer ook over relevante onderwerpen aan Brussel. Ik draag bij aan de sociale media van de Post, aan het beheer van de website. Ik onderhoud contacten met consuls en met andere diplomaten hier in Ierland. En ik volg ook enkele diplomatieke onderwerpen op. Mijn werk is dus zeker heel gevarieerd en elke dag is anders en het is vaak heel onvoorspelbaar. Soms kan een hele week overgenomen worden door een consulair noodgeval bijvoorbeeld. Consulair werk biedt dus zeker heel veel afwisseling en geeft de kans om heel veel verantwoordelijkheid op te nemen, zelfs in het begin van de carrière. Je kan veel rechtstreeks contact hebben met mensen, je kan personen in nood verder helpen. En zo kan je dus toch een mooie bijdrage leveren aan de vertegenwoordiging van je land, zelfs als stagiair. Bonsoir à tous. Ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui et de voir autant de personnes intéressées par la carrière diplomatique. Mon nom est Alexandre, j'ai 33 ans et je suis non seulement diplomate depuis quelques années, mais aussi le papa de trois jeunes enfants que vous entendez ou que vous entendrez peut-être derrière moi d'ailleurs, je m'en excuse. Ce métier de diplomate, c'est un métier que je trouve absolument passionnant, fascinant, certes très exigeant, mais en tout cas jamais ennuyant. Je dis souvent, et c'est vrai au-delà du contenu des dossiers sur lesquels on travaille, que travailler comme diplomate, c'est la possibilité de changer tous les 3-4 ans complètement d'environnement, de dossiers, de thématiques, on change de collègues, on change de culture, on change aussi, comme dans mon cas, de climat, par exemple. Mais toujours en continuant à travailler pour la Belgique, pour les intérêts et pour les valeurs que défend la Belgique à l'étranger ou dans les forats internationaux. C'est d'autant plus vrai depuis la fusion des carrières en une seule carrière extérieure unique, dont vous avez déjà entendu beaucoup parler ce soir. Je suis moi-même un enfant de cette réforme puisque j'ai passé le premier examen de la carrière unique, c'était en 2016 si je ne m'abuse. Je suis donc rentré il y a 5 ans aux affaires étrangères. Et après l'année de stage, que j'ai trouvé d'ailleurs tout à fait passionnante, soit dit en passant, j'ai eu la chance d'obtenir le poste de mon premier choix. Donc oui, c'est possible. Je brise parfois un mythe qui tente à dire qu'en tant que jeune diplomate, on est envoyé dans des contrées où personne ne veut aller. C'est faux. J'ai obtenu mon premier choix. Je suis parti à Kampala. Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda. Pour ceux qui n'ont pas encore révisé, c'est un fascinant pays qui se trouve entouré par la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda. Là-bas, j'étais avant tout en charge de la coopération au développement. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un domaine auquel je ne connaissais absolument rien avant d'arriver aux affaires étrangères, mais pour lequel j'ai naturellement été formé pendant mon stage et pour lequel j'ai également beaucoup appris sur le tas en arrivant là-bas. Concrètement, qu'est-ce que je faisais à Kampala? Eh bien, j'œuvrais à la politique de coopération au développement du gouvernement belge vis-à-vis du gouvernement ougandais, ce qu'on appelle la coopération bilatérale, en lien avec l'agence belge au développement Enable, que vous connaissez peut-être. Je travaillais également avec les acteurs multilatéraux qui sont financés par la Belgique. Il s'agit principalement des agences des Nations Unies, mais aussi de fonds internationaux, par exemple l'UNESCO, l'UNICEF, le Partenariat mondial pour l'éducation, etc. Je travaille également avec les acteurs de la société civile qui sont financés par la Belgique. Il y en avait une douzaine en Ouganda avec lesquels nous travaillons. Et enfin, j'œuvrais à la stratégie d'aide humanitaire de la Belgique sur place, particulièrement important dans un pays comme l'Ouganda, puisque c'est un pays qui accueille 1,5 million de réfugiés aujourd'hui. Ça, ce sont les fonctions que j'exerçais littéralement pour la Belgique, mais il faut aussi se rendre compte que ça va parfois plus loin. Deux choses que j'ai trouvées absolument fascinantes dans mes fonctions là-bas, c'est que j'ai aussi présidé des groupes de travail internationaux, un premier sur la démocratie et les droits humains, et l'autre sur l'éducation. Et donc ça, ce sont des groupes dans lesquels la communauté internationale de bailleurs de fonds travaille. Et donc je ne travaillais plus uniquement pour la Belgique, mais aussi pour la Banque mondiale, pour UNICEF, pour le gouvernement américain, etc., en tant que président de ces groupes. Donc, tout à fait passionnant, à 29 ans, d'avoir la possibilité d'exercer des fonctions pareilles.
Le maître mot, c'est la flexibilité. Vous avez entendu mes collègues et les présentations précédentes. Pendant ces 3 années de poste, j'ai aussi été consul pendant 1 an, de manière un peu inopinée. Mais donc, voilà, je me suis retrouvé être officier d'état civil pendant 1 an. Et naturellement, j'ai dû suivre de près les domaines plus classiques de diplomatie politique et économique pour pouvoir mener à bien toutes ces fonctions. Et puis voilà, après 3 années passionnantes, je suis parti vers mon 2e poste que j'occupe actuellement. Et ce poste, c'est la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. Et donc, je suis actuellement en train de vous parler depuis mon poste à Bruxelles, puisque la Belgique accueille l'Union européenne, mais aussi l'OTAN, par exemple. Et donc, on peut être en poste diplomatique dans son propre pays. C'est évidemment une particularité typiquement belge. Et j'y exerce depuis cet été les fonctions de porte-parole, c'est-à-dire que je suis en charge des relations avec la presse et les médias, mais aussi de la stratégie de communication et la mise en œuvre de la communication de la Belgique dans les instances européennes. C'est donc un changement de décor total, hein, en deux postes en seulement quelques années. Je suis passé d'une toute petite ambassade bilatérale, où on était une quinzaine de personnes à travailler au total, où je faisais principalement de la coopération au développement, pour me retrouver dans des enceintes multilatérales à l'Union européenne, dans ce qui est en fait le plus grand poste diplomatique de la Belgique à travers le monde, puisque nous sommes 150 à travailler pour la représentation permanente auprès de l'Union européenne. Et je suis passé de la coopération au développement vers la diplomatie multilatérale, où j'exerce presque tous les jours ces fonctions aux côtés de nos ministres, des gouvernements, du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées. Donc vous voyez, comme on le disait, le métier de diplomate, ça amène à beaucoup de diversité, beaucoup de flexibilité, et c'est ce que je trouve merveilleux, et je ne peux que vous encourager à vous engager dans cette voie. Je passerai maintenant la parole à notre ambassadrice, Madame Van Vlierberghe. Goedenavond iedereen. Ik denk dat er problemen zijn. Horen jullie mij? Carlo, hoor je mij? Ja, maar je ziet me niet, hè? Er zijn problemen met... Jawel, we horen en zien u. Ah, bon. Oké, dat is te beter. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Karen van Vlierberghe. Ik ben reeds 25 jaar werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken en waarvan 20 jaar als diplomaat. Ik ben momenteel sinds deze zomer de ambassadeur van België in Dublin. Dus ik werk daar samen met Carle, die jullie zo pas heeft toegesproken. Daarvoor heb ik dus de voorbije 19 jaar of 19 jaar en een half heb ik multilateraal diplomatie gedaan. Dus ik was 2 keer op post bij de Europese Unie, waar Alexander heel enthousiast over praat. De Europese Unie is ook een van mijn grote liefdes. En 2 maal op post bij onze permanente vertegenwoordiging in New York bij de Verenigde Naties, waar ik het geluk had om 2 keer deel uit te maken van ons team in de VN Veiligheidsraad. Ik wil jullie gewoon meegeven wat al heel veel collega's voor mij hebben gezegd, dat diplomatie een heel apart, maar heel mooi beroep is. Het kan misschien een beetje nostalgisch zijn, maar ik ben heel fier en heel blij dat ik ten dienste sta van mijn land, dat ik mijn land kan vertegenwoordigen en dat ik mijn land ook kan dienen, zowel in multilaterale fora als op bilaterale wijze. Ik heb voor diplomatie gekozen vanuit, vanuit mijn hart en iets minder misschien vanuit mijn hoofd, maar vooral met mijn hart. Ik ben een heel... moet ik zeggen, diplomatie, ik heb als achtergrond, ik ben romaniste, dus ik heb Franse en Italiaanse letterkunde gestudeerd. Dus het is niet zo, en ik ben toch al 25 jaar werkzaam aan buitenlandse zaken, dus het is niet zo dat er specifieke studies zijn die jullie toegang geven tot de diplomatie. Ik denk iedereen met een gezonde interesse voor het buitenland en met de wil om er te geraken, kan perfect diplomaat worden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is ook al op gewezen dat het heel belangrijk is dat het korps dat het divers is. Heel divers, niet alleen in zaken gender. Want ik denk dat wij beetje bij beetje de goede richting uitgaan. Maar ook, het is heel belangrijk dat
ons beroep, de maatschappij en het land dat wij vertegenwoordigen reflecteert. Dus ik zou iedereen aanraden, laat je alsjeblieft niet afschrikken, want door misschien de uiteenzetting van Celor, laat je alsjeblieft niet afschrikken. Ik denk, zoals ik zei, iedereen die wil, kan diplomaat worden. En ik zou iedereen zeer enthousiast aanraden om het diplomatiek examen mee te doen. Het is een fantastisch beroep, zoals Alexander zei. We wisselen eigenlijk van job om de 4 jaar. Je wisselt niet alleen van land, van werkomgeving, maar je verwisselt ook van job inhoudelijk. Dus nu bijvoorbeeld mijn werk in Dublin is totaal anders. Bilaterale diplomatie is totaal anders dan multilateraal. Het is een andere manier van werken, ook een andere manier van in de diplomatie te staan. Maar dat maakt natuurlijk net het boeiende uit van onze job, is die diversiteit. Dat maakt het heel, heel erg, het is voor mij heel erg verrijkend. Natuurlijk is het een beslissing die je neemt met twee, want je trekt. Het is niet alleen jij die in dat avontuur stapt, maar ook je partner, je kinderen. Dus het is echt iets waar je voor moet gaan, maar waar je dus ook wel goed moet beseffen wat de impact ervan is op je privéleven. Voilà, kijk, ik weet dat we dus heel, heel beperkt zijn in tijd. Dus ik wil gewoon iedereen aanmoedigen om het te doen. Ik ben al 25 jaar heel enthousiast. Ik doe al 25 jaar heel enthousiast mijn werk. Ik ben een gelukkige vrouw. Qui est épanouie. Dat is dus ook dankzij de job die ik doe. Het is een unieke functie, een unieke job. Dus ik zou graag dus iedereen warm aanbevelen om de stap te zetten en om het diplomatiek examen mee te doen. Het is echt een unieke job. En zeer verrijkend, ook voor de familie. Voilà. Ik ga mij terug muten. En natuurlijk, ik ben altijd heel graag bereid, zoals denk ik alle andere collega's, om op jullie vragen te antwoorden. Moesten er nog meer specifieke vragen zijn over de carrière en over onze loopbaan? Hartelijk dank. Merci beaucoup à tous les intervenants. Hartelijk dank voor alle getuigenissen. Ik hoop dat zij een toelichting hebben kunnen geven in wat de job juist inhoudt. We hebben al geprobeerd om redelijk wat vragen te beantwoorden in de chat. Maar waarschijnlijk kan niet iedereen alle vragen en antwoorden zien. Dus we zullen er nu een aantal mondeling toelichten. Ik geef straks graag het woord aan Celor om de vragen in verband met de examens te beantwoorden. Maar ik zag een vraag een aantal keer terugkomen in verband met zwangerschapsverlof en zwangerschapspauze tijdens de stage. Dat is dus geen enkel probleem. Uiteraard kan een vrouw en ook een man vaderschapsverlof opnemen tijdens de stage. Er zijn eventueel wel gevolgen aan als die periode langer duurt en dan kan het wel mogelijk zijn dat de stage eventueel verlengd wordt. Maar daar is uiteraard geen bezwaar tegen en dat heeft geen verdere impact op uw loopbaan. Dus dat is al een eerste die ik wou toelichten. Een tweede vraag die vaak terugkwam is, mag men verschillende keren deelnemen aan het examen? Ja, er is geen beperking meer op, men kan verschillende keren deelnemen aan het examen. En dan geef ik nu misschien het woord aan Hanne om de vragen meer specifiek rond de taaltesten en dergelijke te beantwoorden. Ja, hallo. Ik hoor jullie mij. Ik heb wat problemen met mijn microfoon en met mijn camera. Ik heb al een aantal vragen in de chat beantwoord en ik zou nog een aantal zaken willen herhalen rond de vragen die gepasseerd zijn of die ik meerdere malen heb gezien. Er zijn vragen gekomen over het voorexamen, of dat het mogelijk is om een vrijstelling te krijgen op basis van eerder afgelegde testen en dat is niet mogelijk. Dus voor alle verschillende selectiestappen, dus de 5 proeven en het voorexamen, is het niet mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen. Dus je moet daar alle proeven afleggen.
Het enige waar je wel een vrijstelling voor kunt krijgen, is de deelnemingsvoorwaarden van artikel 14, tweede lid van de tweede landstaal. Als je bijvoorbeeld over een Franstalig masterdiploma of een Franstalig diploma beschikt, dan kan je een vrijstelling krijgen voor dat taalexamen Frans. Als je recht wil hebben of als je een vrijstelling wil krijgen voor dat artikel 14 tweede landstaal, dan willen we je vragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze taaldienst via het mailadres in de functiebeschrijving vermeld en op het einde van de presentatie, zodat de taaldienst de nodige vrijstelling kan toekennen. Als je ook een taalexamen afgelegd hebt van een grotere moeilijkheidsgraad, zoals bijvoorbeeld artikel 7, dan heeft dat ook een vrijstelling op artikel 7, dus op artikel 14. Dus rond alle vragen rond vrijstellingen verwijs ik jullie door naar de taaldienst. Er zijn ook vragen gekomen rond de locatie van de proeven. Alle selectieproeven gaan door in onze gebouwen van CELOR, dus het is bijvoorbeeld niet mogelijk om die vanuit het buitenland af te leggen. We proberen zo tijdig mogelijk te communiceren over de data van de proeven. Bijvoorbeeld het voorexamen staat gepland tussen eind april en begin mei. We zullen midden april, zodra alle taaltesten gedaan zijn, zo snel mogelijk jullie daarvoor uitnodigen. En op het moment van uitnodiging kunnen jullie dan via jullie online Mijn CELOR-account een datum kiezen om de proef af te leggen. Voor het voorexamen zullen er zeker verschillende sessies op verschillende data voorzien worden. Even kijken welke vragen er nog gekomen zijn rond het taalproef schriftelijk Engels. Zijn er vragen gekomen? Het is zo dat er een tekst of meerdere teksten zullen moeten opgesteld worden in het Engels. Die teksten zullen rond een professioneel thema zijn, dus je zult een bepaalde opdracht krijgen. Uiteraard, voor de verbetering van die proef zal alleen taalkundig beoordeeld worden op jouw kennis van het Engels en niet bijvoorbeeld op jouw belangstelling voor de buitenlandse zaken. Even kijken, waren er nog vragen? Kijk even naar Lot, waren er nog vragen waar ik een antwoord kon opgeven? Je vais peut-être passer la parole à Michel. Il y a pas mal de questions concernant les partenaires et les possibilités de travail à l'étranger. Est-ce que Michel est encore avec nous? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Okay. Oui, donc, au fil du temps, on se rend compte que cet aspect est de plus en plus important pour les candidats. La capacité d'exercer tous les deux en couple, donc une activité professionnelle à l'étranger. Alors, il faut être d'une part réaliste. Dans certains pays, c'est plus difficile que dans d'autres. Mais lors du choix des affectations, nous écoutons nos agents au sujet de l'activité professionnelle de leur partenaire et nous en tenons compte dans toute la mesure du possible. Sur le plan plus institutionnel, on essaye aussi de nouer des accords avec des pays tiers pour qu'il soit possible pour les partenaires des diplomates dans les deux pays d'exercer une activité professionnelle à l'étranger. Nous venons de le faire avec le Japon, par exemple. Mais donc, ce serait mentir de dire que ce métier permet tout en la matière. C'est clair que l'expatriation d'un des partenaires impose des contraintes à l'autre partenaire et à la famille, mais avec de la créativité et une bonne réflexion préalable, il est bien souvent possible de poursuivre des aspirations à deux à l'étranger.
Voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire en quelques mots, mais sans non plus présenter cet aspect du métier diplomatique comme non problématique. C'est difficile, c'est une épreuve pour les couples, mais ça peut marcher, ça peut être très gratifiant pour les enfants aussi de profiter d'une éducation internationale. Voilà, donc la réponse est différente pour chacun, je dirais. Merci Michel. Je vois pas mal de questions concernant les langues. Apparemment, on a beaucoup de participants ici, ou des intéressés en tout cas, qui ont le choix et qui disent, voilà, je pourrais choisir le néerlandais ou le français. Maar dan denk ik dat het aan jullie zelf is om te kiezen in welke taal jullie zich inschrijven, zolang jullie voldoen aan de vereisten noodzakelijk voor elke taalrol. Dus dat kunt u op de website van CELOR nagaan om te zien of u dus kunt deelnemen in het Nederlands of in het Frans of beiden. Het is wel zo dat de testen natuurlijk op dezelfde dagen gepland zullen zijn. Dus het wordt op een bepaald moment wel heel zwaar om aan beide taalrollen deel te nemen. Maar het wordt dus niet verhinderd. Het is inderdaad wel mogelijk. Ik zag ook verschillende keren de vraag terugkomen of de stage vergoed wordt. Est-ce que le stage est rémunéré? Op het moment dat men met de stage start, wordt men eigenlijk beschouwd als een ambtenaar in stage. Dus dan bent u een ambtenaar van de Belgische staat en krijgt u eigenlijk het basisloon voor een A1 ambtenaar. Dat is ook een publiek loon, dat kan u ook terugvinden in de documenten die CELOR vandaag online plaatste. Het is ook zo dat rekening kan gehouden worden met eventuele ervaring binnen andere domeinen. Dat wordt dan in de eerste weken van uw stage bekeken in welke mate een erkenning kan zijn. Dus iemand die al voor een andere FOD heeft gewerkt zal mogelijk die ervaring kunnen meenemen. Maar dat moet geval per geval bekeken worden. Er zijn een aantal vragen die eerder persoonlijk zijn. Aarzel niet om die ook nog eens per mail te stellen indien de vraag hier niet aan bod is gekomen. Vooral specifieke erkenning van diploma's en dergelijke. Het beste is daarvoor dat u CELOR contacteert. Misschien in verband met de vraag over of het interessant kan zijn om na 20 jaar ervaring nog de stap te wagen tot de diplomatie. Je crois que ça a été déjà répondu dans le chat, mais il y a donc plus de limite d'âge pour participer à l'examen. Les candidats peuvent donc participer à chaque moment, donc jusqu'au moment qu'ils ont un master. Kan het dan interessant zijn om de stap te wagen naar de diplomatie op latere leeftijd? Zeker wel. Het kan altijd interessant zijn voor ons bij Buitenlandse Zaken om mensen met een externe ervaring aan het werk te kunnen hebben. Weet wel dat iedereen begint met de stage van 2 jaar en dat daar geen mogelijkheden zijn om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat ambassadeur Van Vlierberg je daar misschien wil op antwoorden. Nee, toch niet. Oké. Okay. Dan ga ik nog verder kijken naar de vragen. Misschien est-ce que je peux passer la parole à Valérie ou Hanne om te zien of er nog specifieke vragen van CELOR zijn om te beantwoorden. Ik wou misschien nog even aanvullen, zoals Lot daarnet zei, in verband met de taal, dat je de taal van de selectieprocedure, daarvoor wordt er eigenlijk gekeken naar je masterdiploma. Dus als je in bezit bent van een Nederlandstalig masterdiploma, kan je deelnemen aan de Nederlandstalige selectie. Als je in bezit bent van een Franstalig masterdiploma, kan je deelnemen aan de Franstalige selectieprocedure. Het is zo dat je inderdaad de testen aflegt in de taal van de selectie, behalve het Engels uiteraard, dat leg je af in het Engels. Je kan ook, indien je geen diploma hebt in de taal van de selectie, maar wel in de andere taal, dan dien je taalexamens af te leggen. Daarvoor raad ik je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de taaldienst. Thank you.
Oké, hartelijk dank, Hanne. De presentatie zal inderdaad online geplaatst worden. We zullen die zowel in het Nederlands, het Frans als de tweetalige versie online plaatsen. En ook de video van deze sessie zal online beschikbaar zijn. Ik denk dat we eigenlijk op de meeste vragen zijn ingegaan. Ik zal nog eventjes kijken of er nog een extra vraag is bijgekomen. Criteria, misschien, ja, dat is nog een vraag voor Michel. Welke criteria zijn doorslaggevend om te bepalen of je in aanmerking komt om uitgezonden te worden naar een buitenlandse post van voorkeur? Ik denk dat Michel het daarnet al kort toelichtte, maar we moeten als diplomaat wordt eigenlijk gevraagd om een keuze op zich, of vijf keuzes liever op te geven. Michel, ik weet niet of jij verder wilt toelichten hoe dan de keuze gemaakt wordt, wie waar gaat. Oui, c'est bien ça. Donc, chaque année, un quart de notre effectif bouge. Donc, nous avons à peu près un peu plus d'une centaine de fonctions à attribuer chaque année. Ces fonctions sont publiées et les agents ont à exprimer une préférence motivée pour 5 à 8 fonctions motivées de façon précise. Et puis, nous examinons les préférences, comme je l'ai dit, sur base à la fois de l'intérêt du service, puisque nous avons à meubler, entre guillemets, plus de 100 postes, et de l'intérêt des personnes, des agents eux-mêmes et de leur famille. Donc, nous essayons de connaître de façon précise nos agents et leur contexte pour que les équipes soient harmonieuses et que les agents et leurs familles trouvent leur chemin dans cette carrière. Donc, il s'agit d'une recherche précise d'équilibre entre l'intérêt général, disons, et l'intérêt des agents. Et nous parlons évidemment aux agents longtemps et dans le détail avant de les affecter en Afrique ou en Amérique latine ou encore ailleurs. Donc c'est un processus précis et long et c'est très important que ce travail soit fait avec précision. Merci Michel. Ik zie dat er wel nog een paar vragen binnenkomen, maar we hebben sowieso de bedoeling om een vragensessie ook via Facebook nog te organiseren de komende dagen. Er zullen ook nog video's en podcasts online geplaatst worden die u zeker verdere info zullen geven en input over hoe u zich verder kan voorbereiden op dit examen. Peut-être encore une question ici concernant le jury, donc en fait l'épreuve 5. Het klopt inderdaad dat de eerste vraag is in het examen die echt peilt naar inhoud. Dat is inderdaad ook heel duidelijk te lezen in het overzicht dat op de website van CELOR staat, waarbij heel duidelijk staat welke competenties bij die proef getest worden. Voor de rest zou ik u echt aanraden om onze sociale media in de gaten te blijven houden. N'hésitez pas de poser vos questions par email sur notre page Facebook ou les autres médias sociaux. On a fait quelques sessions de questions-réponses sur Instagram aussi. Donc, je crois que nous sommes tous là pour vous aider et pour vous donner des réponses à vos questions. Verder rest er mij jullie alleen nog allen aan te raden om u zeker in te schrijven. De inschrijving kan u allemaal terugvinden op de website van CELOR, link ook te vinden bij ons. U heeft tijd tot 21 februari om dit te doen. U hoeft niet te wachten op het resultaat van uw taaltest. U mag zich reeds vooraf inschrijven in afwachting van dat resultaat. U zal dan later de boodschap krijgen of u effectief aan de preselectie kan deelnemen of niet. En daarmee denk ik dat we wel ongeveer rond zijn voor deze sessie. Hartelijk dank voor uw deelname. Merci beaucoup pour votre participation. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions encore sur d'autres forums. Bonne chance à vous tous et toutes. Merci. Merci.